Amen. Thank you.
comprendre, on ne comprend pas. Nous nous sommes posé des questions et voilà la réponse. C'est parce que ils n'ont pas été vaccinés de la dose du ciel. Si tu reçois la dose, et tu ne changes pas. Reçois la dose et tu vivras.
Alors j'ai entendu seulement les gens qui criaient en sambo. Ils criaient que je ne comprenais pas. Alors quelqu'un n'interprète pas, dit non, il faut chanter. Là, c'est la bataille de l'hôpital. Alors je me suis mis à chanter. Il y avait une soeur centrafricaine qui a chanté ça en sambo. Les gens pleuraient. Donc ça, c'est leur chanson phare là-bas. Oh, Maïna Bimela.
Demain spécialement, nous avons parlé Christ ici. Donc, on sera en Suisse, à Vienne, avec le pasteur Mifoko, bien sûr. Donc, demain, à 9h, nous allons commencer notre culte. Donc, ceux qui sont intéressés aussi à venir, je vous donne l'adresse. Nous sommes sur la rue du contrôle, numéro 28. Et nous sommes au deuxième étage. Donc, vous êtes les bienvenus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion que nous avons accordée d'être autour de sa parole. Et la parole a été apportée. Et le pasteur a chanté aussi pour la gloire de Dieu. Donc je ne pense pas que vous êtes venus seulement pour écouter les chansons, mais vous étiez venus premièrement pour écouter la parole. Amen. Et toute personne qui on a prié pour elle, croyez. Parce que nous avons un Dieu qui est réel, un Dieu qui est vivant. Ce n'est pas un Dieu imaginaire ni historique, mais c'est un Dieu vivant qui guérit. Mais la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Amen. Amen. Notre but, c'est de vous présenter la parole de Dieu. Vous savez, dans la vie éternelle, il y a tout là-dedans. Ne venez pas seulement chercher la guérison. Ne venez pas seulement chercher les papiers. Mais venez chercher Christ. Et en Christ, vous trouverez tout. Amen. Parce que Dieu a dit que tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses. Amen. Amen. On va prier pour vous tirer. Le monde te reprend et ton or et ton argent. Si la pauvreté vient à sombrer ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne. Infiniment reconnaissant pour la semence qui a été plantée. Oui, Seigneur, c'était un puissant message. La lèpre qui rend insensible à la parole, qui coupe les membres, qui brise la communion. Oh Seigneur, guéris-nous de cette lèpre. La grande leçon que tu nous as apportée aujourd'hui, oh Seigneur, tu aurais pu guérir Naham du haut des cieux, mais dans ton infinie sagesse, tu as pourvu d'une voix. La manière pour obtenir quoi que ce soit de la part de l'Éternel, c'est de le faire de la manière dont Dieu l'a établi. Il a plu à Dieu que la guérison passe par un prophète. Qui sommes-nous pour dire à Dieu quoi faire? Oh Seigneur, j'ai vu le trophée. J'ai vu les cœurs touchés par cette prédication. J'ai vu les cœurs qui ont voulu, qui ont désiré cette chose, qui ont voulu une vie authentique de la parole en eux. Car comme tu as dit, nous sommes le sel de la terre. Nous avons la responsabilité de donner aux gens la soif du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, que leur désir ne soit pas vain. Accorde-leur d'avoir une bonne conscience devant toi. Accorde-leur que cette décision les mène à la vie chrétienne. Accorde-leur de voir, Seigneur, toutes les richesses que nous avons dans ce message. Père éternel, tu as utilisé ton grand don, car la grandeur est dans l'humilité. Et il est resté humble dans la parole, malgré tout ce que tu lui as accordé. Il reste une fierté pour ce message. Il reste un saint homme. Il reste au Père éternel un modèle qu'on peut citer, le pasteur Simon-Pierre Faux. Seigneur, ajoute des bénédictions aux bénédictions que tu lui as déjà accordées. Et permet que partout où il passe, qu'il soit, Seigneur, l'odeur de Jésus-Christ. Que tous ceux qui le voient, que tous ceux qui l'entendent aient la soif d'être comme Jésus. Ô Père, béni soit ce ministère. Béni soit le désir dans le cœur de chacun. S'il y a des rétrogrades, Seigneur, que cela puisse réveiller la flamme.
S'il y a des gens qui arrivent à toi, qu'ils voient qu'on peut vivre Dieu de façon sérieuse, et toutes les révélations et la touche que nous avons au Seigneur, que cela puisse être une bénédiction pour eux. Seigneur, je pense à ceux qui sont restés fidèles. Accorde-leur de voir, ô Seigneur, un peu plus de toi chaque jour. Car la véritable soif d'un chrétien, c'est qu'arriver au ciel et qu'il te rencontre. Et tu nous as promis, ô Seigneur, que l'éternité commence ici. Ô Seigneur, bénis-les. Que ceux qui rentrent, qu'ils rentrent sans incident ni accident. Mais l'important, c'est que nous nous retrouvions tous dans la gloire. Accorde-leur, ô Seigneur. Seigneur, je pense à une bénédiction spéciale pour celui qui a organisé ces réunions. Bénis le pasteur Gaspardos. Il n'est pas facile de se tenir devant Satan et de le défier. Mais je crois, ô Seigneur, que toi, tu ne bénis jamais en partie. Si tu as commencé cette œuvre avec lui, tu iras jusqu'au bout. Père éternel, le permet que non seulement il soit béni en quantité, mais surtout dans la qualité des croyants. Oui, Seigneur de gloire, ajoute aussi des bénédictions à ce que tu lui as déjà accordé. Bénis sa famille et son foyer. Et Seigneur, permets que nous puissions nous retrouver dans la joie et la bonne humeur, afin d'élever encore ton Saint-Nom, au nom puissant et sacré, le seul nom par lequel nous devons être sauvés, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui bénit, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom le plus parfait qui soit, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse. Merci. Sur les chemins, j'ai marché. Un jour sur les chemins, j'ai marché. Mais j'ai entendu sa voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Dans les péchés, mais j'entends-tu sa voix qui me dit, oh pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'écoute. Oh. Okolo Yesu yoka libondeli na ngaye sikanga yete na wopela na liloba ya mpokwa mpo yango nde komemanga liboso na Yesu mobali oyo ngai na libami nana namona te pousse pousse le cri de joie Jésus.